voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera gritarlo. Aller chercher des biscuits. Tu veux un truc? Non, merci, vas-y. Après le coup de gueule de ma mère, je vais rester super tranquille, crois-moi, je vais pas bouger. Toutes les mamans sont comme ça. Oh non, la mienne est pire. C'est clair. Dana, la laborantine. Y a pas un petit jeu ici pour que je m'ennuie pas? Dans la vie, il y a des décisions que tu dois prendre seule. Si tu choisis bien, tu as déjà gagné. Mais si tu te trompes, tu n'as pas d'autre choix que d'assumer les conséquences. C'est plus de la moitié de nos avancées. Sans tout ça, tout le projet est perdu. Et à ce stade, nous devrions recommencer à zéro. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ne panique pas. Vous savez quoi? Ne vous inquiétez pas, je vais régler ça. Vous feriez mieux de rentrer, hein? Non. Je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé. Je vous rejoins plus tard. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu crois, ma fille? Nous restons avec toi. Nous n'allons pas te laisser seule avec ce problème sur le dos, voyons. Peut-être que les informations que tu cherches ont disparu de l'ordinateur. J'ai entendu dire que ça arrivait parfois. Non, je sais pas, maman, je sais pas. Peut-être que quelqu'un l'a supprimé. Par erreur. Ou délibérément. Maman, je sais pas ce que tu penses avoir vu, mais Sammy et moi, on se disait simplement au revoir, c'est tout. Oui, et je dois rentrer à Puebla, madame. Arrête tes mensonges! Vous vous embrassiez, je l'ai vu! Quelle horreur! Non, 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 maman, calme-toi, ils se sont seulement embrassés sur la joue comme tais-toi, des amis. Exactement. Tais-toi et reste en dehors de ça. Tu n'as pas honte devant ta sœur, Dana est encore petite. Mais pourquoi devrais-je avoir honte, maman? Oui, Sammy et moi, on était en train de se dire au revoir. Mais c'est ma faute. Je t'ai trop laissé avec ces comportements dépravés. Et toi, tu es le diable. Arrête de pervertir mon fils. Non, 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 non. Par contre, ne m'insultez pas. Ne me parle pas. Je t'interdis de remettre les pieds dans cette maison un jour. Sors d'ici. Oui, je vais partir parce que je ne vais pas me laisser parler comme ça. Et je veux que vous compreniez une chose, madame. Je ne suis pas le diable ni un pervers. Je suis une personne comme vous. Et vous pensez que je suis bizarre parce que je m'habille et que je suis différent de ce que vous considérez comme normal. Laissez-moi vous dire, madame, que c'est de l'ignorance et de la stupidité. Oh, oui, c'est vrai. Uli, je m'en vais. On se parle plus tard. Désolé. Bon sang, maman. T'es tellement aveuglée par tes préjugés que tu ne vois que ce que tu veux voir. Uli, arrête. Mais tu as tout faux. Uli, arrête. Écoute, maman est super stressée à cause d'une dispute au travail, alors ne l'écoute pas pour le moment. Je le comprends parfaitement. Que tu aies des problèmes, c'est une chose, maman. Mais tu ne peux pas décharger ta colère sur la première personne que tu rencontres. Respecte-moi et ne me parle pas comme ça. Si tu demandes du respect, respecte-moi d'abord. Oh, Effie, vous êtes sûre qu'on peut entrer comme ça? Ma petite, tu ne te souviens pas que je t'ai dit que mon amie Barbara Falcon s'était arrangée avec la proprio pour me donner les clés? Oui, mais on ne savait pas si Gemma allait être là. Oh. Qu'elle irait dans son village et qu'elle mettrait 3 jours à rentrer. Et non, je ne pense pas que ce soit très bien d'entrer chez quelqu'un comme ça sans qu'il le sache. La propriétaire est au courant, donc pas de problème. Oui, mais ça se fait pas. Allez, tais-toi et entre. Au moins, un petit appel. Allez, stop, entre. Allez, entre! Entre, ma petite, entre! Chouette, n'est-ce pas? Chaque fois que j'y vais, je ne me lasse pas de cet endroit si chaleureux. C'est que mon amie Barbara Falcon a vraiment très bon goût quand il s'agit de décorer. Oh oui, c'est vrai que j'ai aimé cet endroit dès qu'on y est entré, c'est sûr et certain. Regarde, ta chambre est par ici. Bien, suis-moi. Attends-moi une seconde. Alors... Bonjour, Renata, comment ça va? Tout va bien?
Je veux juste savoir s'il s'est passé quelque chose quand je suis allée parler à Monsieur Mascaro. Un accident, le courant a été coupé ou quelque chose s'est produit dans le laboratoire. En fait, certaines informations avec lesquelles nous travaillons ne sont pas dans l'ordinateur. Ah bon? Non, tout allait bien, je vous assure, tout était en ordre. Sinon, je peux peut-être aller à Biogénélab, je peux peut-être aider. Non, 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 Marilou, non, ce n'est pas nécessaire. On se voit demain matin, ok? Merci. Allez, ma petite, viens. Oui, j'arrive tout de suite. Viens t'installer correctement. Vito, j'ai déjà trouvé l'adresse du journaliste qui a enquêté sur les investissements des Fonsetti. Très bien, envoie-la-moi. Oui, mais par contre, je ferai mieux d'aller avec toi parce qu'on ne sait pas s'il vit encore là-bas. De toute façon, je n'ai rien à perdre et cet homme peut me conduire à découvrir le secret des Fonsetti. On peut savoir où est-ce que tu comptes aller? Et pourquoi tu veux le savoir? Eh bien, comme ça. Maman, tu devrais te réjouir. Parce que tu te débarrasses enfin d'un poids. Uli, s'il te plaît, t'en vas pas. Sœurette, c'est bon. C'est bon, ok? Ça va aller. Je serai plus proche que tu ne le penses. Ok. Prends soin de toi. Comparé à ma petite chambre, j'ai l'impression que c'est vraiment une grande maison. Non, mais oui. Mais on s'habitue à tout, ma petite. Sauf à ne pas manger. Tu vas finir par voir tôt ou tard que tu vas être habituée à tout ce luxe. Vous savez à quoi je ne m'habituerai pas? À ne plus vous voir tous les jours. Ou à ce que vous ne me donniez plus de conseils. Ou de juste plus être avec vous. Merci beaucoup pour tout. C'est que sans vous, la ville n'aurait fait qu'une bouchée de moi. Toi aussi, tu vas me manquer, ma petite. Regarde dans quel état ça me met. Moi qui pensais être une pleurnicharde. Et regarde ça, moi aussi, je suis déjà en train de pleurer. Mais assez de tous ces pleurs, hein? D'accord. Écoute, oui. Sois heureuse comme un pape. Mais par contre, n'oublie pas les règles de mon amie Barbara Falcon. Comment je pourrais oublier? Vous me les avez dites une centaine de fois. Eh bien, c'est que tu vas être la plus âgée dans ce quartier et tu dois donner l'exemple à Gemma. Je vous promets que je le ferai. Promis. Merci beaucoup, pour tout. Oh. Avec tout ça, vous serez remercié quand vous irez au paradis. Mais pas tout de suite, hein, dans un long moment. Oui, dans très longtemps, très longtemps. Bon, assez. C'est pas comme si c'était la dernière fois qu'on se voyait. Oui. Comporte-toi bien. Je vais te donner un conseil. N'ouvre la porte à personne, ma petite, à personne. Et si quelqu'un vient te voir, il peut te parler au téléphone et tu peux le voir après. Bon, assez parlé. Je dois aller à la banque avec quelques locataires et c'est tout, hein. Au revoir et fais attention, hein. Prends soin de toi. Je vous aime. Tout devrait être là. Chaque jour, nous le sauvegardons dans ce dossier. Non, il n'a pas pu disparaître juste comme ça, quand même. Mais tu as cherché partout et tu n'as rien trouvé, ma chérie. Pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas avec nous pour te reposer un peu? Et tu crois que je peux? Je veux dire que j'ai l'estomac noué à l'idée que ces informations aient disparu. Oui, mais ton papa a raison, ma fille. Si tu ne te reposes pas, ton état va empirer. Et tu es déjà stressée avec cette angoisse. Tu ne peux pas rester ici toute seule. Allez, ma fille. De toute façon, tu ne peux pas faire grand-chose, n'est-ce pas? Bon, eh bien voilà. Je ne veux pas que vous restiez ici à m'attendre. Rentrons à la maison et ensuite je verrai ce que je peux faire. Allez. Ne t'inquiète pas, Renata. Oui, maman. Ne vous en faites pas.
Tu es sûr que c'est ici? Je sais pas, il a peut-être déménagé. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes Ramiro Rodriguez, le journaliste? Ça dépend. Je dois vous poser des questions sur un article que vous avez écrit sur les investissements de la famille Fonsetti. C'est eux qui vous envoient? Non, je ne suis pas envoyé par les Fonsetti. Je ne veux pas attirer d'ennuis. Alors ne le faites pas. Ces gens, ils m'ont menacé lorsque j'ai publié l'article et pas seulement, je me suis retrouvé sans travail. Donc si vous ne voulez pas de problème, il vaut mieux que vous partiez parce que sinon... Quoi? Vous allez appeler la police ou... Non, mais mes copains sont membres du gang de la colonie et je peux très bien les appeler, alors vous devriez partir. On dirait que ça va pas être facile de lui soutirer des informations. Il semblerait aussi que les Fonsetti si raffinés et élégants ne soient en réalité que des brutes. Papa, arrête de m'ignorer. Dis-moi quel accord tu as passé avec les Fonsetti. Je te le dirai en temps voulu. Tu ne voulais pas non plus me parler de ta stratégie avec Claudio et les Fonsetti. Donc? Papa, j'étais sur le point d'épouser Claudio. Tu te rends compte qu'ils étaient presque de la famille? Dis-moi comment tu fais pour qu'ils ne te réclament pas l'argent de l'investissement? Et tu vas me donner une solution miracle? Et maintenant, tu me sous-estimes? Non, pas du tout. Mais tu es une femme. C'est normal que tu te laisses emporter par les... Maintenant, tu te mets à avoir des propos macho? Quel rapport avec le fait d'être une femme? Plus que tu ne peux l'imaginer. Mais j'attends aussi la décision de quelqu'un avant de pouvoir conclure toute l'affaire. J'ai bien peur que ce ne soit pas de mon ressort pour cette occasion, ni du tien. Définis quelqu'un, s'il te plaît. Tu parles de qui? Je ne vais pas te le dire. Et ne demande pas à Claudio, car il ne te le dira pas non plus. Papa! Je devais donner une réponse à Monsieur Mascaro demain, mais avec ce qui s'est passé, ce que je pense, ça n'a plus d'importance. Tout le travail a déjà été perdu. Qu'est-ce que tu crois que le patron va dire demain? Je ne sais pas, maman, je sais pas. Je ne veux même pas y penser parce que j'ai peur qu'il me vire et de me retrouver à nouveau sans rien. Mais ça ne va pas arriver, il a beaucoup d'estime pour... Oh, maman, le boulot, c'est le boulot, et si je dois être virée, je le serai. Et si je suis virée, on sera encore plus mal qu'avant. Pour l'instant, ce qui compte le plus pour moi, c'est pas le projet, c'est la question en suspens de ton opération et le prêt que nous devons rembourser. Je ne pense pas que Monsieur Lisandro va dire « Oh, pour l'opération de ta mère, ce nom !» C'est un homme de parole et je suis sûr qu'il comprendra ce qui t'est arrivé. Non, papa, ce n'est pas seulement lui qui a un problème. Le kit allait le sauver d'un très gros problème avec certains partenaires qui n'ont pas arrêté de lui mettre la pression pour l'argent. Et vraiment, pour moi, le moins que je puisse faire, c'est de recommencer tout le kit à zéro. Mais le contrat était de le lancer le jour de l'ouverture. C'est-à-dire, je ne sais pas encore quand. Mais avec ce qui s'est passé, nous sommes vraiment fichus. Désolé d'avoir commencé avant, mais nous étions affamés. Ça ne fait rien, excusez-moi. J'étais vraiment en retard aujourd'hui. Alors... Tu t'es connecté plusieurs fois à l'application, tu as parlé à d'autres filles? Pourquoi faire? Aucune fille ne voudra avoir quelque chose à faire avec un petit garçon sur roulette. Dario, Rodrigo et moi, on était en train de réfléchir à participer à quelques entretiens qu'il y a au bureau du maire sur les personnes handicapées. Ah oui? Ouais. Ah, c'est pas vrai. On était. Je ne crois pas être inclus là-dedans. Tu y as réfléchi, mais désolé, pas moi. Pourtant, ces entretiens pourraient être intéressants. Il pourrait y avoir de belles filles. Il n'y a pas que sur Internet pour draguer. Il y a tout un monde là-dehors. Ce que t'essaies de me dire, c'est que... Je sais, peut-être que durant ces entretiens, je peux rencontrer une fille. Oui. Oui, une fille avec un handicap comme moi. Parce que tu penses qu'aucune autre fille ne me remarquerait. C'est ça. Mais non, je ne voulais pas du tout dire ça. Je pense simplement que c'est bien que tu sortes de la maison. Enfin, mais tu ne comprends pas que mon problème n'est pas seulement avec les filles. Dario ne voulait pas du tout dire ça. Non, mais il l'a dit, et toi aussi. Moi, je n'ai même pas ouvert la bouche. Oh, tu ne te lasses pas de me le dire tout le temps. Rodrigo, sors, vis, Rodrigo, sois heureux. C'est très facile. Non, mais n'importe quoi. C'est vrai. Ah oui, parce que ce qui est facile pour vous est mille fois plus difficile pour moi. Mais ça, vous ne le comprenez pas. Tu veux encore partir ? Renata, j'espère que tu as résolu le problème. Tu avais l'air stressée. Je suis sûr que ces entretiens peuvent être d'une grande aide.
C'est ce que nous disions à propos de mille et un psychologues qu'il a laissés en chemin. Mille et un psy. Qu'est-ce que tu exagères? De plus, au lieu de me jeter la pierre, tu ferais mieux de m'aider à convaincre Rodrigo pour qu'il se prépare et aille aux entretiens. J'ai déjà essayé, mais tu vois comment ça s'est passé. Oui, c'est vrai. La meilleure façon de le convaincre, c'est que tu viennes avec nous. Écoute, si nous y allions tous les trois, il se sentira très à l'aise. Être en famille, c'est important, tu sais bien. Oui, tu as raison, je vais vous accompagner. C'est juste que je suis très occupé, je fais des recherches sur les Fonsetti. Une famille rivale des Mascaro. Une famille rivale? Eh bien maintenant, je ne comprends rien. Depuis quand tu donnes un coup de main à Lisandro? Qu'est-ce que j'ai manqué? Je suis perdu, moi. J'aide Lisandro d'une certaine façon. J'aide les Mascaro à se débarrasser des Fonsetti et je pourrais peut-être gagner plus rapidement la confiance de Lisandro. Ah, j'ai compris, mais... Pourquoi ne pas oublier toute cette folie et te concentrer sur l'aide à apporter à ton frère? Je l'aiderai toujours. Et si je fais ça, c'est juste pour lui, pour rendre justice à Rodrigo. Dis-moi parce que je vais appeler la police. Je pourrais dire la même chose, t'es qui toi? Pour info, je t'ai prévenu. Non, 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 attends, je suis un ami de Gemma, un ami. Je suis aussi son voisin. Je suis censée te croire sur parole. Au fait, comment t'es rentré? J'ai les clés, Gemma m'a donné les clés si jamais il y a une urgence, mais je suis son ami et je vais bientôt déménager ici. Mais t'es son petit ami ou quoi? Non, nous sommes juste des amis. Et bientôt nous serons colocataires parce que je vais emménager ici. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Je viens de louer cet appartement. En fait, c'était ma chambre avant que tu ne t'introduises et que tu me fasses la peur de ma vie. C'était mon lit. Il semblerait que Gemma n'ait pas vu le message que je lui ai envoyé. Oh, à cette heure-ci, elle doit être dans un sommeil profond. Je pense qu'on la verra demain matin. Je suis vraiment désolé de t'avoir fait peur comme ça. C'était pas mon intention. Gemma ne m'a jamais dit qu'elle avait déjà loué la chambre où je devais vivre. C'est cette madame Effie, mon ex-proprio. Elle m'a dit qu'elle avait déjà vérifié, que la chambre était libre, et je pense qu'à cause de la situation, Gemma n'a rien dit. Ouais, ça fait rien. De toute façon, elle allait pas louer la chambre à un homme, non? Eh bien... C'est un simple malentendu, ne t'inquiète pas trop. Oui. Je suis vraiment désolé pour cette histoire, hein. Et crois-moi, je comprends parfaitement que la personne qui a le droit de garder la chambre, c'est toi. Je vais juste prendre mes affaires et partir, d'accord? Non, 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 mais tu as un endroit où aller? Oui, 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 j'ai toujours un endroit où aller. T'es sûr? Non, en fait, pas vraiment. C'est juste que j'ai eu une grosse dispute avec ma mère. Donc elle m'a viré de la maison. Mince, c'est terrible. Ouais. Cet appartement, il est vraiment grand. Ouais. Et pour que tu ne finisses pas dehors à dormir sur des cartons dans un entrepôt, tu pourrais dormir dans le salon. Sérieusement? Oui. Oh, merci beaucoup. Tu m'enlèves vraiment une épine du pied. Sérieusement, c'est simplement pour ce soir et demain, je prendrai mes affaires et je partirai, d'accord? Oui, t'inquiète pas, prends ton temps. Oui. Et au fait, comment tu t'appelles? Marie-Louise. Ah, Ulysse. Salut. Je m'appelle Ulysse. Je t'en dois une. Une quoi? Une faveur. Oui, une faveur. Oh, je pensais que t'avais cassé quelque chose et je me demandais comment j'allais le dire à Gemma. Non, je veux dire une faveur parce que oui, tu oui, me laisses dormir. Vois. Oh, s'il vous plaît, faites qu'il soit bien et en bonne santé. C'est un idiot, mais c'est mon fils. T'es encore réveillée? Non, 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 chérie, ne m'écoute pas, j'allais juste prendre un verre d'eau. Oui, ah, pour ça. Et aussi pour avoir viré Ulysse, tu n'arrives pas à dormir, c'est ça?
Tu n'as pas quelques remords? Non, non, bien sûr que non. Je me fiche de ce qui est arrivé à ton frère. Il l'a mérité pour avoir été irrespectueux. Maman, t'as perdu ton instinct maternel ou quoi? Comment tu peux dire que tu ne te soucies pas de mon frère? Le pauvre, en plus, il a toujours été un super fils et un super grand frère. Comment tu peux le laisser se retrouver dehors tout seul comme un pauvre clochard? Oh, arrête, tu dramatises trop, bon sang. Sérieusement, maman, et s'il était sous un pont en train de mourir de froid? Non, ça va, n'exagère pas. Il ne neige pas non plus. Mais en même temps, ce n'est pas non plus entièrement de ma faute. Si, c'est ta faute. Quoi qu'il en soit, Ulysse est majeur maintenant. S'il veut rester comme ça avec ses préférences, il va devoir le faire en dehors de chez moi. Il est temps que ton frère se débrouille par ses propres moyens. Maman, tu es pénible. Tu sais pas à quel point papa me manque. Il savait comment résoudre ses problèmes, il nous écoutait, il nous a pas ignorés comme tu l'as fait. Nul n'a le droit de discriminer ou de juger l'orientation sexuelle de quelqu'un. Nous méritons tous le même respect pour nos vies privées. Vous avez besoin d'aide ?